Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne soit de Pictronix, soit sur la mienne Cynic Games. Cette vidéo sera présentée sur les deux pour la bonne raison que j'avais déjà commencé un projet pour Pictronix dans un abattoir à vaches presque totalement automatisé. Il ne suffisait que de nourrir les vaches. Et cette version ressemble à celle que vous pouvez voir sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Vous pouvez toujours y jeter un petit coup d'œil histoire de voir un peu la taille de la chose. Aujourd'hui, j'ai grâce à la version 1.5 et un petit peu de réflexion, j'ai modifié le fonctionnement, j'ai changé tout un tas de trucs et j'ai surtout simplifié énormément le principe et la mise en œuvre du système, qui fait qu'aujourd'hui ça tient là-dedans. Voilà, donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, merci déjà. Et pour les autres, vous voyez que c'est quand même c'est assez compact. Je sais pas si on peut faire plus compact que ça. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution, notamment une solution qui permette également de faire fonctionner la machine, même lorsqu'on dort. Excusez-moi, je vais aller faire un petit rite sacrificiel. Voilà. Histoire que la vidéo se passe bien, hein. C'est un petit sacrifice à Dieu Minecraft. Alors voilà, comment ça se présente? J'ai un enclos à vaches, ici, dans lequel je laisse un trou d'un bloc simplement pour pouvoir faire passer les veaux et que les vaches ne tombent pas. On peut regarder ça de cette façon. Les vaches sont bloquées, elles font plus d'un bloc de hauteur. Donc vous ramenez vos vaches là-dedans, vous pouvez tout aussi bien les faire venir depuis votre enclos en passant par la porte ici en les attirant avec du blé. Oui, je sais, c'est vicieux, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Mettez-en un nombre pair dedans, hein, c'est toujours mieux pour pouvoir les faire reproduire. Vous avez, grâce au blé, la possibilité de les reproduire de cette façon-là. Vu que les vaches peuvent se déplacer, sauter, se croiser dans tous les sens, elles donnent naissance à des petits veaux qui finiront tous par tomber ici, à un moment ou à un autre. Vous voyez qu'il y en a un qui est ici, mais le temps que je vous présente un peu tout le truc, il sera forcément tombé là-dedans. Une fois que les veaux sont tombés là, vous voyez qu'il y a un distributeur qui lui distribue des seaux de lave. Formidable! Mon dieu, je voudrais pas mourir comme ça. Et ce distributeur va recevoir deux impulsions à travers ces répéteurs-là. Le premier va jeter la lave dans cette partie-là, et le deuxième va relancer le seau qui va en fait récupérer la lave. J'espère que c'est pas un bug et que donc ce sera jamais corrigé. Parce que sinon la machine ne fonctionnera plus. Une fois que la lave est jetée, vous allez me dire « Ouais, ok, mais il y a des veaux là-dedans, donc les pauvres bêtes, si jamais elles prennent de la lave, désolé pour le bruit, je viens de taper sur le micro, si jamais elles prennent de la lave, elles vont mourir dans d'atroces souffrances, mais surtout pour rien, parce que les veaux ne lâchent rien. Or, avec le délai que j'ai mis, la lave n'a pas le temps de descendre sur la case du bas, ce qui fait que les veaux qui font moins d'une case et ne sautent pas, ça c'est super important de le savoir, ne craignent absolument rien et donc ne mourront pas. Pour faire gagner du temps, parce que là, les veaux, je vais pas attendre qu'ils grandissent, je vais juste libérer le passage et les vaches vont aller toutes seules là-dedans. Vous pouvez voir d'ailleurs que le veau était déjà tombé. Et le système s'allume en fait une fois par jour, on va dire en fin de matinée, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez, le four se met en route. Et tous les objets qui sont lâchés par les vaches, qu'on appelle communément les loots, sont transmis dans cet entonnoir, vous pouvez voir qu'il est vide pour l'instant, et cet entonnoir les balance dans ce chariot. Un peu plus tard, une fois que les vaches ont fini de mourir, j'ai une impulsion qui arrive ici, qui active le rail accélérateur qui se trouve en dessous du chariot ici, et qui permet au chariot de monter, grâce à cette rampe, pour venir se stationner ici, au-dessus de cet entonnoir qui est vide, qui transmet les objets depuis le chariot dans le coffre, qui n'est pas vide, mais je vais le faire. Voilà. Histoire que vous voyez que ça fonctionne bien, donc là, tout est vide. Je vais de suite refermer le trou ici. Excusez-moi, je tousse un peu, j'ai une petite toux qui ne passe pas. Et je vais de suite mettre la nuit, tout simplement. Et on va voir qu'au réveil, les vaches vont cuire et tout ça va bien se passer. Allez, on fait un petit dodo. Et voilà, le jour se lève. Les vaches, on a eu le temps de voir la lave. La
lave qui s'est déversée sur les vaches crament, meurent, versent leur truc directement, hop, à travers l'entonnoir dans le chariot qui est en bas. Et un petit peu plus tard, vous voyez mon courant qui arrive ici, il ne reste plus très longtemps à attendre avant qu'il donne une impulsion là-dedans. Et une fois que ce sera fait, le chariot va remonter. Voilà. Et le chariot, là, est en train de se vider dans cet entonnoir. Et donc en train de remplir le coffre. Il y a un petit délai supplémentaire pour le cas où vous auriez vraiment beaucoup d'objets. Vous pouvez voir que la lumière en fait transmet le courant de l'impulsion de redstone là-dedans. Si jamais, hop, je réduis le délai histoire de pas attendre trop longtemps, le chariot redescend. Et donc retrouve sa place initiale sous l'entonnoir. Je mets un bloc ici tout simplement pour éviter que les veaux ou vaches qui se trouvent ici ne glitchent. Et passe au travers de la texture en fait, ça m'est déjà arrivé pendant que je faisais la construction. Et du coup j'ai trouvé ce système là qui permet tout simplement de les empêcher de passer. Voilà, c'est pour ça que j'ai des blocs un peu partout là où je pouvais en mettre sans que ça bloque le truc. On va passer sur la partie construction directement si vous le voulez bien. Je crois que j'ai rien de plus à préciser. Non c'est bon. Donc on va passer sur la partie construction. Attention, tuto. On va commencer par poser des blocs de comment ça s'appelle, du matériau que vous voulez pour faire votre pièce. Ça peut être du bois, n'importe quoi. Hop, pas ici. On va mettre 4 là. On va prendre une porte qui nous permettra d'aller soit de ramener les vaches, soit tout simplement de sortir de la pièce si on tombe dedans ou quand on les a nourris ou quoi que ce soit. Et on va mettre un seau d'eau qui nous permettra de voir plus facilement l'endroit où on va faire nos murs. Moi, les vaches, je voudrais qu'elles tombent ici. Donc pour ça, il faut qu'on repose des blocs. Là et... mince, pas là, ici. Et on va clôturer notre pièce. Voilà, donc les vaches, peu importe l'endroit où elles arriveront dans cette pièce-là, vont être dirigées vers ce trou. Là, on creuse 2-3 blocs, 1, 2 et 3 ici. On prend un entonnoir. À la place du seau, on casse le quatrième bloc, on saute et on pose l'entonnoir sous nous. On va prendre un distributeur que je vais échanger avec l'épée. On creuse le bloc qui est un bloc au-dessus de l'entonnoir. On le dirige face à nous comme ça. Oups, pardon, je me suis trompé. C'est ici. Ce sera beaucoup plus simple pour aller l'activer. On va casser les blocs ici. Encore un, je crois, mais je suis pas sûr. On va prendre des répéteurs. On va en placer 3 les uns à la suite des autres ici et un autre là. Celui-là, on le laisse à 0 et tout cela, on les place au maximum. Une fois que c'est fait, on va prendre de la poudre de redstone et on relie les deux. Jusqu'ici, pas de souci. On va placer un bloc là avec une torche. Maintenant, il faut aller choper des torches. Tac. Et cette torche-là, vous voyez qu'elle active le circuit. Donc c'est formidable. Parce que c'est ce que je voulais. Maintenant, il faut que je fasse un interrupteur de signal, parce que comme vous allez pouvoir le voir, lorsque j'ai un capteur de jour, il transmet un signal continu. Voilà, et ce signal progresse en fonction de l'heure qu'il est dans la journée, en fonction de la luminosité. Donc pour interrompre ce circuit, il y a un principe qui est tout simple, c'est-à-dire qu'il faut mettre un bloc ici, on pose... Hop, j'ai déjà une torche en fait dans l'inventaire, j'avais pas vu. Vous auriez pu me le dire quand même. On pose une torche ici. Un répéteur là, placé au maximum. Une poudre de redstone ici. On remet une poudre là. On place un bloc. Une poudre de redstone dessus. Et une torche. Et après, ici on a notre sortie. Vous pouvez la faire sortir de n'importe quelle façon. Et vous allez voir en fait que quand le signal arrive ici, un signal long se transforme en signal court. Je vais mettre une lampe à redstone histoire de vous montrer vraiment que la durée de l'impulsion. Donc, j'ai mon signal long transmis par le capteur jour-nuit. Et il se transforme en impulsion courte si je mets une poudre de redstone ici.
Voilà, plus courte que celle d'un bouton. Donc ça, c'est un système qui est vraiment formidable, que je recommande sans modération, et qui permet de faire des trucs vachement sympas en redstone avec les capteurs jour nuit. Donc, vous aurez compris, ici c'est ma torche de sortie, et il faut que j'aille l'activer grâce au même système. Sauf que là, je vais le faire un petit peu différemment pour gagner de la place. On va faire de cette façon. Et une poudre ici. Voilà, donc là, c'est mon entrée. J'ai besoin d'un petit délai pour, que le système fonctionne même si on dort. Parce que si je mets plus près, en fait, quand on dort, le four se met en route, donc les vaches meurent, ok, mais les loups tombent dans l'entonnoir ici. Sauf que le chariot est déjà remonté. Donc c'est pour ça que j'ai dû l'éloigner un peu. Et de cette façon, en fait, j'arrive vraiment à avoir le résultat que je veux, c'est-à-dire que je peux dormir tranquillou et ne pas risquer de perdre les loots bêtement. Voilà, donc je remonte un peu que en bas ça a fonctionné. Vous allez voir les deux rangées s'allumer en différé en fait. Voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On va aller creuser un petit peu ici. C'est un endroit qu'il faudra sans doute reboucher par la suite. Voilà, ce que je voulais, c'était arriver sous l'entonnoir ici, de manière à pouvoir placer mes rails. Donc, hop, on prend des rails accélérateurs, des rails normaux, et on va mettre un chariot. Alors, on met un rail accélérateur ici, le chariot dessus, un rail normal ici, et on va faire monter le rail par là. Donc on fait le virage à plat, parce que sinon ça fonctionne pas. Et ici, on va mettre directement un rail... c'est ici qu'il faut le mettre. On va mettre deux rails accélérateurs à la suite, qu'on va alimenter par le côté avec une torche de redstone. Voilà. Et ici, il faut qu'on monte de la même façon... faut qu'on laisse l'espace pour que nous, on puisse monter aussi. Parce que si jamais on a un bloc comme ça dans la descente, le chariot avec l'entonnoir reste bloqué dans cette partie-là. Donc on se fait un escalier comme on le ferait pour nous, quoi. On monte comme ça, et tout se passe bien. On va monter jusqu'à arriver... Hop. Jusqu'à arriver là. Donc une case en dessous du sol. On lui fait faire son virage comme ça. On pose un rail accélérateur. Qu'on va activer par une torche. Je sais pas encore où, mais on va l'activer. On peut reposer un autre bloc là. Un rail accélérateur au-dessus. Et en fait, on va l'activer par en dessous, ce sera très bien. Je vais mettre simplement une torche ici. Et vous voyez que là, mon circuit est activé. C'est formidable. On va poser les blocs comme ça. On peut remettre un rail normal, c'est pas la peine d'en utiliser plus. Je pense que même un, ça suffirait. Mais j'ai pas envie de vous faire de bêtises et que vous me disiez, j'ai gaspillé un rail pour rien. On va se mettre comme ça, choper un coffre. Donc c'est dans les blocs décoratifs. Ça j'en ai plus besoin, on va récupérer encore un entonnoir, ça j'en ai plus besoin non plus. On va placer nos deux coffres, parce que bon, autant avoir de la place directement. On s'accroupit, alors pour ceux qui savent pas ce que s'accroupir veut dire, ça veut dire on se met en position, je vais prendre une fessée, et on clique sur le coffre. De cette façon en fait ça évite d'ouvrir le coffre, et on peut poser des objets dessus. Bon, pas n'importe quel type d'objet non plus, mais bon voilà. Une fois que c'est fait, donc là, hop, en fait, il me fallait d'autres rails. On va refaire la même chose avec un rail accélérateur. On s'accroupit, on clique sur l'entonnoir, et de cette façon, on peut poser nos objets. Tiens, on a vu mon slip. Ici, on met un bloc pour arrêter le wagon, et une fois que ce rail-là recevra une impulsion, le wagon ne pourra que repartir dans l'autre sens. Donc c'est génial, parce que c'est ce qu'on voulait faire. Pour aller activer ce rail-là, je fais passer le courant à travers ce bloc. Donc pour ça, c'est pas super compliqué. Il suffit d'avoir deux poutres de redstone alignées dirigées vers ce bloc là. Et c'est formidable. Tout fonctionne. Une fois que c'est fait, j'ai besoin en fait d'un petit délai entre le moment où le four va s'allumer et les vaches vont cramer. Et le moment où le wagon va repartir. Donc pour ça, je fais un petit détour de circuit comme ça. Tac. Pour gagner 3... Vous voyez que celle-là n'est pas encore allumée, mais ça devrait pas tarder quand le soleil sera un peu plus haut dans le ciel. Ok, il est en train de se coucher.
Donc c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Et je vais mettre un répéteur de façon à ce que, une fois que le courant arrive ici, le répéteur va transmettre le courant de la même façon qu'un circuit normal, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de délai dû à la lumière. Une fois que c'est fait, donc là, je prends de la poudre de redstone, je vais la mettre comment ? Je vais la mettre ici, je vais en mettre une autre là. Ici, je casse, je pose ma torche contre ce bloc. Et ici, je vais avoir mon répéteur là, placé au maximum. C'est toujours le même principe d'interrupteur de circuit que je vous ai présenté tout à l'heure. Sauf que là, je le fais un peu différemment de façon à gagner un peu de place. Et donc, ma sortie qui va se trouver, elle, sur le côté ici, de façon à pouvoir descendre un peu plus rapidement. On va la mettre ici. Là, j'ai plus qu'à relier et vous voyez que tout tombe impeccable. Une fois que ça c'est fait, il faut aussi que je prévoie une impulsion qui va allumer ce rail là. Et donc pour faire ça, il faut que je transmette. Non, hop, il faut que je transmette une impulsion dans ce bloc là. Donc pour faire ça, hop, il suffit tout simplement que j'ai deux poutres de redstone qui soient alignées, dirigées vers ce bloc. Et à ce moment-là, quand le courant arrivera ici, ça va déclencher le rail et le wagon va redescendre. Pour aller alimenter ce truc-là, je vais avoir besoin de... comment on va dire ça ? Il faut que j'ai un autre petit délai supplémentaire, de façon à ce que le chariot ait le temps de redescendre. Donc pour faire ça, je vais tout simplement faire une boucle, comme ça. Et il va falloir que... mince, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Je suis décalé d'un bloc. En fait, il faut que je la mette ici. Voilà, au-dessus de ce répéteur. Donc là, je fais hop, mon petit détour. Ce bloc-là ne sert à rien, donc. Voilà, et là, je mets mon... mais si, ça servait. Quelle naze, je vous jure. C'est pas facile de perdre la boule. C'est celui-là qui fait que je rajoute. Voilà, et donc là, hop, je repars avec un circuit de redstone ici. Donc, j'ai besoin de, je crois, 11 cases. Je vais aller vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avant d'avoir un répéteur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc là, je peux mettre mon répéteur ici. Du coup, ici, je vais faire un système un peu encore agencé différemment. En mettant hop, de la poudre ici, de la poudre là. On va mettre une torche ici. On rajoute un répéteur sur ce bloc-là, qu'on place au max. Ça, c'est super important. Si jamais vous me voyez à un moment dans la vidéo faire une boulette, je décale pas un répéteur. Ne refaites pas la même. C'est une erreur. Et donc là, il faut que j'arrive à cette hauteur-là. Donc, je vais mettre ma torche. Comme ça. Ma torche ici. Et je remets une poudre de redstone par-dessus. Voilà. Donc là, quand ça c'est fait, déjà vous êtes des winners. On remet un bloc sous la torche ici. Celui-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à ramener, zut, le courant. Ah, je vais pas y arriver. Le courant là-dedans. Voilà. Voilà qui est formidable. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre un seau de lave dans le distributeur. Je vais hop, reposer des blocs là-dessus. Clôturer la pièce, de façon à ce que les vaches ne puissent pas sauter... et en sortir. Et on met juste un bloc là, de façon à ce qu'il n'y ait que les veaux qui puissent passer dans cet espace. Donc quand ça c'est fait, on peut mettre nos vaches. Si vous pouvez les faire venir, comme je vous disais, par la porte en les attirant avec du blé.
Alors, j'ai juste gagné un peu de temps parce que de toute façon je trouverais pas de vaches ici, j'ai l'impression, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Mettez-en un nombre pair hein, de façon à ce qu'elles puissent se reproduire entre elles. Là j'en ai 7, je vais en mettre 8. Zut. Voilà. Et donc vous pouvez nous nourrir avec du blé. Le blé c'est dans les matières premières ici. Hop. Vous les nourrissez et vu qu'elles peuvent se déplacer, sauter, machin, tout ça, elles vont se reproduire et faire des petits veaux que l'on voit apparaître petit à petit. Et ces veaux vont tous tomber ici. Ils n'ont pas d'autre choix que de tomber là. Même ceux qui sont bloqués un peu derrière finiront par tomber à un moment. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien. Vous voyez qu'ils tombent. Sauf que moi, j'ai envie de gagner un peu de temps et de voir si ça fonctionne quand même avec les vaches. Saperlipopette, j'ai oublié de mettre un bloc. Voilà. Bon, celle-là, je suis désolé, encore un petit sacrifice. Au nom du cube, de Notch et de la sainte Redstone, je vous sacrifie pour le bien de la vidéo. Voilà, donc les vaches sont tombées. Là. Et donc, on va pouvoir vérifier si tout se passe bien. Je vais mettre la vidéo au lever du soleil. Soleil qui se lève là-bas. Voilà, vous allez avoir droit à un magnifique lever de soleil. Vous allez voir que le courant. Hop, je vais me placer à un bon endroit pour qu'on puisse avoir vu surtout. Le courant va venir progressivement ici et va activer le four. Si tout se passe bien, si j'ai bien tout fait, ça devrait se passer comme ça. Regarde, le jour se lève. Ou pas. Donc voilà, les vaches ont pris feu grâce à la lave. Elles sont en train de mourir dans d'atroces souffrances. De faire tomber les loots dans le chariot. Et l'impulsion du chariot devrait pas tarder. Je crois qu'elle est un petit peu trop longue. Ou celle-là qui est trop courte. Parce qu'en fait, là, j'ai plus que deux cases à attendre. Et ici, j'en ai 1, 2 et 3 seulement. Du coup, je vais rallonger un peu. Il va falloir que je raccourcisse le circuit. J'aurais bien mis deux cases de moins. Si j'en mets une ici, j'en aurai qu'une. Donc en fait, ce répéteur-là. Oh, quoique. Non, non, ça suffit, c'est très bien comme ça. Donc là, mon chariot est en train de se vider dans le coffre. Tout est vide, c'est formidable. Et donc, quand le courant va arriver ici, l'impulsion va être transmise et le chariot va redescendre. Et voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. J'essaierai de faire un détail des matériaux nécessaires pour la construction. Comme ça, vous saurez si vous êtes en mode, comment ça s'appelle, en mode survie. Vous saurez si vous avez de quoi le faire en entier ou de quoi prévoir simplement la construction. Et je vous mettrai ça en début de vidéo. Donc voilà, comme ça au moins vous saurez tout. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera sur Guild Wars 2. Je vais retourner un peu aux origines. Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à poster une vidéo sur Minecraft. J'espère que vous me pardonnerez. À la prochaine. Salut!